De l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat de la République démocratique du Congo. Je vous invite à partir du détachement, le commandant de détachement, le commissaire supérieur adjoint, Bombo Mandala. Mwikala ulwa biteketa mikali mchaku banda pa bibanjulu ebi mbwana kwa mbwa se chubwele jichenda mwa umwa mwabaye utu jibikala tusangila mbena bale nepesa mwana kutuilanga na mbato kulu kama nebantu mwanda mkulu kumbu sara mkulu mpwa jibale nepesa kwa shiton chendele ujika mwabaye nasha ebi sala mwadefa bahati nyeye wenda ulu wenda anibite biteketa mwikala mbukuji. Merci Prince Mopoy. L'accueil cérémonial est terminé. Modeste Bahati Lukwebo est en train de monter les marche-pieds pour prendre ensuite l'ascenseur. Il va faire son entrée dans quelques instants ici dans la salle des plénières du Sénat et il va procéder à l'ouverture solennelle de cette session budgétaire de septembre, comme le prévoit la Constitution. Tout le monde est là. La session de mars a connu des moments assez particuliers. Vous avez là le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, qui est donc parmi les invités de cette cérémonie officielle d'ouverture de la session de septembre. Le président de l'Assemblée nationale, on l'a vu par moments. Bosso Kodiapanga, on l'a vu par moments. Et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabund, qui lui aussi a répondu à l'invitation à cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session de septembre au Sénat. Dans quelques instants, il va y avoir le début de cette cérémonie, bien sûr, et dans l'heure qui suit, ce sera la chambre basse la chambre basse du Parlement à l'Assemblée nationale, donc que la cérémonie va aussi avoir lieu. Ce sera pratiquement le même protocolaire. Les différentes personnalités ici présentes seront également à l'Assemblée nationale pour l'ouverture de la session de septembre. Ici, et dans quelques instants, que le président Modeste Bahati Lukwebo, sénateur, va faire son entrée ici dans la salle de plénière du Sénat, où je vous rappelle, cette chambre haute du Parlement compte 9 sénateurs. Et on nous dira combien sont présents aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que le quorum est atteint. Les services du protocole donnera l'information au président du Sénat qui communiquera à la plénière, mais en même temps à travers
la radio-télévision nationale congolaise, à toute la communauté nationale, combien de sénateurs sont présents pour cette cérémonie d'ouverture de la session de septembre. L'assistance va s'élever pour saluer l'entrée de Modeste Bahati-Lukwebo, président du Sénat, qui va donc, dans quelques instants, procéder à l'ouverture de cette session. Comme je vous l'ai dit, c'est une session qui sera très riche en événements. En plus du budget qui va être examiné, il va y avoir beaucoup de questions politiques à traiter. L'environnement politique, mais aussi économique, qui rappelle plusieurs événements qui nécessitent l'intervention de la Chambre de Sage, les lois qui sont en attente. Nous allons suivre donc la cérémonie. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Messieurs les premiers présidents de la Cour de cassation et du Conseil d'État, Messieurs le Président du Conseil économique et social, honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, Messieurs les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État, honorables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, représentants des organisations internationales et du système des Nations Unies, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, Mesdames et Messieurs. Trois moments forts vont marquer la présente cérémonie consacrée à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2001, à savoir, primo, l'hymne national que nous allons chanter avec l'accompagnement de la fanfare de la police nationale congolaise. Secondo, le discours d'ouverture de l'honorable président du Sénat. Tertio, le cocktail qui sera servi aux honorables sénateurs et à tous les invités dans le hall de la questue où aura également lieu la séance des salutations. Les membres du personnel des cabinets et de l'administration seront quant à eux servis dans le hall juste devant l'entrée de la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. Avec votre autorisation, honorable président du Sénat, nous invitons l'auguste assistance à s'élever pour chanter l'hymne national.
La séance est ouverte. Honorable Président de l'Assemblée nationale et chers collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Premier président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques et représentants des organismes spécialisés du système des Nations Unies et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du président de la République, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le Bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur du Sénat, cette plénière solennelle de ce mercredi 15 septembre 2021 est consacrée alors à l'ouverture de la session ordinaire de septembre, ceci qui va constituer notre seul point à l'ordre du jour. Mais avant toute chose, permettez-moi de remercier chaleureusement tous nos invités qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du Sénat. La présence de chacun et de chacune d'entre vous dans cet hémicycle témoigne d'une marque de considération et de respect envers notre Chambre. Soyez donc tous les bienvenus. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, après de brèves vacances parlementaires interrompues par la nécessité de la convocation de la session extraordinaire du 19 juillet 2021, ayant eu pour objet l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, lequel projet a été exceptionnellement voté 4 fois par visioconférence au cours de cette même session extraordinaire, nous voici de nouveau réunis sans répit pour l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2021, essentiellement budgétaire, afin de doter le pays de ses moyens de fonctionnement pour l'exercice 2022. Avant de poursuivre mon allocution, permettez-moi de saluer la mémoire de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga,
le doyen Antoine Gabriel Kiungwa Kumanza, à la même occasion de saluer la mémoire de nos vaillants soldats tombés au front, de nos compatriotes victimes de la pandémie à coronavirus et des victimes des atrocités dans l'est du pays. À cet effet, je vous prie respectueusement de vous lever et d'observer une minute de silence. Merci. Que leurs âmes reposent en paix. Honorables sénateurs et chers collègues, avant de m'étendre sur les activités proprement dites de notre Chambre, je voudrais vous rappeler par un survol la situation de l'état de la nation actuelle de notre pays. Le contexte dans lequel s'ouvre cette session exige des parlementaires beaucoup de dextérité dans l'analyse des questions essentielles de la survie de la démocratie qui constituent des sujets d'actualité dans notre pays. Ceci est d'autant indispensable que cette ouverture de la session ordinaire coïncide avec la Journée internationale de la démocratie célébrée dans le monde entier le 15 septembre de chaque année, où chaque pays est invité à faire un état des lieux sur l'évolution de la démocratie en interne. Ainsi, la démocratie dans le microcosme politique congolais se caractérise par les débats et autres échanges d'idées souvent houleux qui se focalisent actuellement autour de diverses questions, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays, la désignation des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, la mégestion quasi généralisée dans les entreprises et services publics telles que révélées par l'Inspection générale des finances, la situation post-éruption du volcan Nyiragongo à Goma, la situation sociale des Congolais, les diverses revendications de la masse laborieuse dans tous les secteurs de la vie nationale. À propos de la situation sécuritaire, celle-ci demeure préoccupante dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. L'instauration de l'état de siège dans les dites provinces a pour finalité de ramener la paix dans cette partie du territoire national. C'est ainsi que des actions conjointes et concertées sont menées par les forces armées de la République démocratique du Congo, la MONUSCO et la police nationale congolaise en vue de combattre toutes ces forces négatives opérant dans l'est du pays. Voilà pourquoi je rends un hommage particulier au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour son implication personnelle qui lie la parole à l'action, telle que promis lors de sa campagne électorale, afin de ramener la paix dans l'est du pays. Le récent séjour de son Excellence Monsieur le Président de la République dans l'Est lui a permis de toucher du doigt les réalités et de développer une diplomatie agissante auprès des pays amis dans le domaine de la coopération militaire. Je salue la bravoure et le sens du devoir ainsi que l'esprit de sacrifice qui anime les éléments de nos forces armées qui sont à pied d'œuvre dans les opérations déclenchées dans l'est de notre pays. Je saisis en outre cette opportunité pour saluer les initiatives du gouvernement qui ne ménage aucun effort pour mettre fin à cette insécurité.
S'agissant de la problématique de la CENI, qui fait couler encre et salive et divise la classe politique et la société civile, en ceux y compris les confessions religieuses, j'appelle tous les acteurs politiques et sociaux à transcender leurs divergences et à ne privilégier que l'intérêt supérieur de la nation afin d'éviter de retarder le processus électoral attendu fin 2023. Honorables sénateurs et chers collègues, le constat fait état de ce que notre gouvernement fournit des efforts notables pour améliorer tant soit peu les conditions de vie de nos concitoyens en soutenant les secteurs sociaux attachés à la production alimentaire. La gratuité de l'enseignement, l'assainissement des finances publiques, la dotation des 145 territoires des budgets d'investissement, la sécurité sociale et les soins de santé, la relance de l'économie.